Gade campi sotto il telefono per la macchina 2. Non capisco. Merci.
pour Marcus Azor, pour Guy Barthélemy, pour Edwina Pila, pour Marlène Lincé, pour Suzette et famille, pour Boulos La Rose, pour Bernie Bertin-Bertus, pour Huguette Théodore, pour Renard Famélise Cécile, c'est son nouveau-né, pour Ralph Amboise, pour Sylvie François, pour Mélan Lafleur à Famini, famille Rosier, et Odile Lorenz Salazin. Dans la messe à tout, dans le petit bon Dieu, merci pour publier, puisque c'est une messe propos pour nous. Pour nous tous qui membres la communauté Bortona et pour nous tous qui fait partie du mouvement à coup dans la communauté ça. Frère Maxime, nous vous souhaitons nous tous joyeuses Pâques. C'est pour la grâce, résurrection, côté la vie, la paix, la campagne, bénédiction, la caille. Nous rassemblons jeudi pour nous célébrer, puis pour fête nous dans la foi, fête de délivrance. C'est un moment pour nous songer, pas de rien qui est plus fort parce que Jésus. L'élevé bien vivant, parce que nous c'est la vie, et nous avons le pouvoir pour bâiller la vie. À tout cœur, en disposé pour nous célébrer la messe mouvant, pendant que nous songer, pas de rien qui a campé devant le pouvoir résurrection. Bonne participation à nous tous. Nous commençons la messe là, à nous reconnaître ses pécheurs, et à nous demander mon Dieu de miséricorde pour nous pitié. Thank you.
Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les débuts de Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien. Et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec lui. Et nous, les apôtres, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice. Et voici que Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se montrer, non pas à tout le peuple, mais seulement aux témoins que Dieu avait choisi d'avance. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts, il nous a chargé d'annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l'a choisi comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent ce témoignage. Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu.
Deuxième lecture. Lecture de l'apôtre Paul qui sert aux Colossiens. Frères, si nous levons vivant ensemble avec Jésus-Christ, c'est bagaille qui en royo pour nous chercher. Côté Jésus-Christ, chita à droite bon Dieu. C'est bagaille qui en royo pour nous goûter. Ce n'est pas bagarre qui sous terre. C'est que nous mourons, la vie nous cachait avec Jésus-Christ dans mon Dieu. Le Jésus-Christ apparaît, lui-même qui est la vie, le ça, nous-mêmes tous apparaît ensemble avec lui dans belle terre. Ça, c'est parole, mon Dieu, qui gagne tout pouvoir. Merci, mon Dieu. Premier jour dans ce maintenant, Marie-Madeleine vit le grand matin dans la voie, pendant qu'elle fait noir toujours. Lui, roche la levée sur la voie. Lui, courir vite pour Simon-Pierre avec le partisan, sa Jésus de Rémer, lui dit yo. Yo levé grand maître là sur la voie, nous pas qu'on est côté où déposer. Puis elle sortit, ni le partisan ça, yo arrivé pour la voie. Yo t'a couru tous les deux ensemble. L'autre partisan ça t'a couru plus vite par ses pieds. Il arrivait en premier dans la voie. Le penché, il y a bon toile qui posait à terre, mais il n'est pas entré. Simon qui t'a suivi, il arrivait tout. Il entré dans la voie. Il y a bon toile qui posait à terre, avec un mouchoir qui était sous tête, mais qui n'est pas posé avec bon toile. Il développé à part un côté. Laisse ça à toi. Le partisan ça a entré, lui-même qui est venu en premier dans la voie, lui croit. C'est que, il n'y a pas de connaître la Bible, l'idée est pour lui te lever, sauf n'a pas de mort. On nous fait le bonheur à compliment de parole, bon Dieu. Alléluia, Jésus devait bien vivant. Alléluia, la mort est du pied. Ça, c'est jour de la fête, jour cœur content,
jour pour nous chanter. Normalement, Jérusalem, au centre, je dis à tout comme il est au centre pour faire Noël. Et pour qui ça, Jérusalem au centre? Parce que c'est ville ça qui touille le prophète, c'est ville ça qui ouvre l'enfant Jésus, et c'est là Jésus est enterré et ressuscité tout. Alors, à ce après-midi, à permet de partager avec vous une blague de moi sur la ville de Jérusalem. Il y a des bouquins qui ont voyagé à Manamika, le pèlerinage en terre sainte. Mais étant donné maman, madame, qui était très catholique, ils ont mené belle-mère. Et belle-mère, c'est pour son dignité, pour faire belle-mère. Alors, il y a mon belle-mère, il y a mon belle-mère. Alors, imaginez-vous, pendant que Jérusalem, madame, vous avez gardé à l'ébouille. Vous n'avez pas de nègre qui sont prêts à combattre. Est-ce qu'on va m'enterrer Zodia, Jérusalem, ou bien pour vous préparer pour mener le cas? Il dit pas de différence entre deux enterrements. Il dit si c'est Jérusalem, enterrement belle-mère, à Poudon, 3 millions. Mais si c'est pour préparer pour vous mener ça au cas, vous pouvez se faire 50 000 dollars américains. Sans vous se pas réfléchir, il dit au cas. Et il n'est pas mon pays, la banque. Madame a éliminé, madame a dit mes chéris. Et comme si je me songeais moi-même à voir mon pays, la banque, qui j'aime pas faire payer 50 000 dollars pour mener mon maman à l'éloquat. Et le monsieur dit chéri, où est posé maman, t'as mon ami, vous êtes enterré ici, Jérusalem. Après ça, sur 3 jours, on a levé le corps. Bagaille ça, il n'est pas possible. Parce que madame, ça t'a mis réveillé le corps, là, toujours, parce que ici, t'as pu l'enterrer. Alors, je vais payer 50 000 dollars, mais les autres y ont. Alors, Jérusalem, terre de délivrance, Jérusalem, ville où Dieu fait lever la lumière de la vie. Alors, nous entendons l'évangile de Saint-Jean, premier jour de la semaine, c'est ça qui va être une méditation moi, de midi. Mais qui te font une petite explication rapide, nous avons quelques éléments là qui sont très importants. Marie Madeleine le bébé pour le lavé. Qui est Marie Madeleine? Marie Madeleine fait partie de sept maris, il y a toutes sept maris là-dedans. Sept femmes qui portent nos maris. Marie de Madeleine, Madeleine c'est la signature. Marie Madeleine c'est nos boucles pour le sortir. Magdala ou Madeleine, pas pour les signatures. C'est comme si c'était moi-même qui t'a sauté à l'époque Jésus. Demandez qui pour le sortir, c'est pour dire Dimitri de Beaumarchais ou bien Dimitri de Gautier. Auto-sortir avec des signatures. Alors imaginez-vous, Marie de Magdala, femme ça a été attachée à Jésus. Pour qui ça? Parce que la Bible dit nous, Marie de Magdala, Jésus chassait sept démons sous lui. Depuis les gens avec un pire reconnaissance qui était dans le service maintenant. Malheureusement, pendant longtemps, Biblie fait une mauvaise lecture de Marie Madeleine. Ils confondent avec la pécheresse qui était utilisée parfum et qui suivait Jésus à cheveux là. Ils ont fait passer pour Marie-Madeleine et ils ont fait passer pour prostituer. Marie-Madeleine n'a pas été loin de la prostitution. Puis, gros problème qui était dans la Bible, il était de sept démons sur lui et Jésus délivré. C'est Marie-Sa qui a le grand bonheur pendant ses mois et puis il dit mon cher, vous voulez, dit si vous voulez, vous voulez. Ils ont passé dans la tête, ils ont grand bonheur. Il courait à nos pieds. Pierre, avec baptisé Jésus, remet en pile là. Nous avons des expressions ça plusieurs fois, si nous avons l'évangile de Saint-Jean. Baptisant Jésus, remet en pile là, c'est Saint-Jean. Pour qui ça, Jésus, remet pour ça? C'est parce que nous avons tout le Seigneur, c'est lui-même qui débilit. Et c'est ça que nous avons mangé le pâte là. J'ai dit, à souhait, côté pour autre la chita, c'est lui pour côté Jésus. Ça veut dire deux batailles. Premièrement, c'est les plus jeunes. Deuxièmement, c'est la caille où les sessions ont fait, parce que c'est place où on a accueilli. Alors, Jean, ça, disciple que Jésus venait en pile là, il était déjà jeune, il était couru, il est vivant avant, mais il a été bouché de lui, il va entrer. Il est en pierre, il est en pierre avant. Pour qui ça? Moi-même, par la main de la pierre. Si c'est moi-même qui vivant avant, Pierre était mon signe, il était mon pape, il est couru en avant, il est bien passé.
Nous vivons, c'est pour m'entrer dans le Seigneur enfant. Moi, nous savons, c'est pour nous venir sur le nous vivons. Non. J'en parlerai, les juger ton coup d'œil, et le deuil pour qui ça. Parce que tout a pour Dieu reconnaître la primauté de Pierre. En toutes choses, il y a des respects. Il quitte ses pieds qui notre enfant parce qu'il a la primauté. Il est le primus inter pares, le premier parmi ses frères. Et c'est cet homme de respect qui fait Jean paraître et qui était monsieur un enfant. Mais nous avons trois lieux, nous avons côté Jésus débouché, nous avons quoi? Pierre entrait et puis il nous dit, les mouins. Bon. Mais on dit tout ça passait le premier jour de la semaine. Mais le premier jour de la semaine, qui juillet même, c'est sous sa petite réflexion pour nous finir. L'encadrier juif, là, il y a 7 jours. Mais, jour n'y a pas de nom. Dans le calendrier juif, là, jour n'y a pas de nom. C'est 2 jours seulement qui est. Premier jour de la semaine, il y a le jour 1. Deuxième jour, jour 2. Troisième jour, jour 3. Quatrième jour, jour 4. Cinquième jour, jour 5. Sixième jour, il y aurait les paracels. C'est vendredi, c'est-à-dire jour de préparation. C'est samedi bien. Septième jour même, il y aurait les Shabbat, le jour du repos. Dans le calendrier juif, là, il y a 7 jours, mais il y a une pile qui est non. Donc, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour. Et arrivé sur le sixième, là, il y a les paracels, jour de préparation. Parce que c'est la veille, ça va. Septième dans le même, c'est Shabbat, le jour du repos. Quand il y a 6 mois à l'avant, côté l'église là, commencez à pied. Il y a une semaine, il y a 7 jours. Mais qui change ça? À Rome, sur la réalité. Chaque jour de semaine, il y a confié à Osidon. C'est un jour qui est honoré à Osidon. Premier jour de la semaine, c'est le jour du soleil. Jour et jeudi, il y a deux langues sur la terre. Le lundi, c'est le jour du soleil. Sunday en anglais, Sonntag en allemand. C'est toujours jour du soleil et l'été. Deuxième jour, c'est lundi, c'est le jour de la lune. Troisième jour, c'est mardi, c'est le jour de Mars, Dieu de la guerre. Quatrième jour, c'est mercredi. Ah, c'est ça? Non. C'est ça? Quatrième jour. C'est mercredi, c'est le jour de Mercure, Dieu du commerce et de la licence, le messager de Dieu. Cinquième jour, c'est jeudi, c'est le jour de Jupiter, le dieu des orages et de la puissance. Sixième jour, c'est vendredi, c'est le jour dédié à Vénus, la déesse de l'amour et de la fertilité. Femme cotonnière, pas qu'on est un projet dans les années 80. Ou au cas où tu mets dans le monde, il y a un cabinet à l'autre salon qui est Vénus de Milo. Il y a une photo de femme, quand on est sur le monde, il y a une statue de femme. Vénus de Milo. Tout le monde sait que vous avez une tâche à la vidéo, sous la fin de l'année, vous savez avec tout le monde qui est bagarre aussi. Et là, tout le monde est, vous avez besoin de connaître, et ça a besoin de rime, ça a besoin de noir. Tout le monde est, parce que finalement, chez Vénus de Milo, tout le monde est dans le champ. Bon, alors, sixième jour, c'était le jour de Vénus, c'est vendredi. Et septième jour, c'était le jour de Saturne, le dieu de la licence et du plaisir. Alors, Jésus lui-même, lui ressuscité la caille juive, le premier jour de la semaine, qui correspond au jour du soleil, la caille romaine. Enfin, premier siècle là, chrétiens ont changé nom jour du soleil, puisque c'était dans le premier jour ça, d'après calendrier romain, Jésus ressuscité. Jour ça était dédié à soleil là, ils ont parlé de lui-même, Dies Domini. Et dans ma pile là sur la terre, jusqu'à présent, c'est Dies Domini, nous relé, premier jour de la semaine, le dimanche. Pour l'ancien français, c'était dimanche, l'idée. Jusqu'à ce que le français avec moi, nous, dimanche. Mais c'est un mot latin. Dies Domini, le jour du Seigneur. Jour ça,
premier épaule pour nous la découvrir, tu dis, c'est le jour où l'on fait la quête, la collection. C'est dans le jour où ça a chrétien ou l'argent pour l'église. Même livre à des apôtres latinos, premier jour maintenant, c'est le jour où réunis pour casser le pain. C'est le mot pour l'Eucharistie, la fraction du pain. L'Eucharistie, mon paquet de mots malin dans la vie. Et Apocalypse chapitre 1 verset 10 dit, le jour du Seigneur, c'est le jour de la révélation. C'est le jour où Dieu se révèle à Jean sur l'île de Patmos. Vous connaissez Saint Jean, le disciple que Jésus aima le plus. Il est le seul disciple qui mourit dans la cabane. C'est ça que c'est en blanc pour célébrer le 27 décembre. Il mourit grand monde dans la cabane. Alors lui-même, jour où il est en exil sur l'île de Patmos, c'est le premier jour de la semaine, jour dimanche, jour Seigneur, Saint Jean fait la révélation livre Apocalypse. Alors, nous sommes dans les psaumes 118 là qui dit ce jour est le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Il y a un chrétien catholique qui pensait dimanche, c'est le jour qui remplace le sabbat. Dimanche, par exemple, ça peut remplacer le sabbat. Dimanche, par exemple, il y a pour louer le sabbat. Sabbat, c'était la loi de Moïse. Dimanche, c'est la révélation du Fils de Dieu. Dimanche, c'est pas le jour que nous avons comparé avec le sabbat. C'est le recommencement de la création. Ce qui a été déchu par le péché a été recréé dans la mort et la résurrection de Jésus. C'est une nouvelle création. D'ailleurs, nous sommes dans le livre de la Genèse. Nous sommes des anges qui postaient avec épée dans les enflammés, qui n'arrivent pas au paradis pour en aller pas retourner. Mais jour dimanche pas là, c'est même deux anges ça. Mesdames, vous êtes dans le tombeau, vous n'avez pas même qui est sur parce que c'est des gardiens. C'est Yuna de Waldron, on n'a pas ici, non. Les Galilée, les ressuscités. Pour dire quoi? À la résurrection, ce que le péché avait fermé dans la Genèse, la résurrection l'ouvre à nouveau. Pas de temps pour résurrection. Jour résurrection, pas de comparaison. Si nous sommes chrétiens, vous comprenez qu'à comparer résurrection avec sabbat, vous pouvez dire tout. Résurrection est plus important que le sabbat. Pour qui ça? Parce que celui qui a été ressuscité est le maître même du sabbat. Ça, très important. Alors, quelqu'un qui dit, si ce n'est pas juste sabbat, nous prenons le repos, on va dire ça bon. Mais qu'on y a pas retourné dans Saint Paul, à des apôtres. Chapitre 10. Paul dit comme ça. Ça, c'est confession de foi, Paul. Là. Paul dit dans sa parole, c'est Paul, c'était pour pharisien. Mais Paul, on n'a pas dit passé. Mais c'est en général, il y a des gens qui sont plus catholiques que papa, c'est toujours comme ça. Les gens qui sont là, les gens qui sont en bas là, ils ne sont plus chers passés. Ils sont ça dans la foi. Donc. On y a pas de reprendre ça, Paul. T'es dit lui-même. C'est la lettre aux Romains, chapitre 10. Ne trompez-vous, excusez-moi. Il dit comme ça. Si ta bouche proclame que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a relevé d'entre les morts, tu seras sauvé. La proclamation de la mort, de la résurrection et de la seigneurie du Christ nous engage au salut et à la rédemption. On y arrive. Si on vient dire nous l'autre évangile, même Jean encore qui dit moi ça. Si ta bouche proclame que le sabbat est le jour de la vie, si tu crois dans ton cœur que le sabbat nous conduit à la vie, nous tout quitter père pour maladie comme déjà mal chercher une maladie et puis nous avons comme dans sa tête calme. Mais jusqu'à preuve du contraire, pas de aucun côté dans la Bible qui dit si nous parlons sabbat nous pas sauver. La Bible dit si nous parlons reconnaître Jésus autorité à seigneurie, si nous pas confesser résurrection alors après-midi, c'est un plus bel message pour Dieu voyez-vous. La résurrection
a été célébré pour la première fois pour le salut d'un petit groupe, mais aujourd'hui, ce sont des millions qui célèbrent la foi en la résurrection de Jésus. Donc, vous-même, qui avez écouté le message, je veux dire, ma brave aux deux bagages. Discuter avec nous, ça va, c'est pas ça qui est important. Mais c'est comment vous vivre dimanche. Parce que l'Empire catholique, c'est discuter seulement. Mais vous ne vivez pas rien. Ça qui est important, c'est qu'ils sortent faire le dimanche, jour de délivrance, jour salut. Et l'ordre qu'ils sont fait appel sur le plan spirituel. C'est le jour de la fraction du pain, nous dit la Bible. Jour où nous célébrons la messe. C'est le jour de la collection, c'est le jour où nous mettons ensemble pour la charité de l'Église. Et c'est le jour de la révélation, selon le livre de l'Apocalypse, c'est le jour pour nous découvrir valeur à grandeur par le mon Dieu. Donc, sous trois mois, il fait ça, nous capables de miser vie, pour que chaque fois nous célébrons pas, nous songeons qu'il y a qualité, cadeau de Dieu fait, et à travers le cadeau ça, pour nous continuer à vivre comme le monde qui ressuscite. Nous toutes, nous déjà ressuscité déjà. Et c'est ça que c'est dans le ciel que nous cherchons. Mais qu'on y a, il faut nous rendre la résurrection effective dans le choix qu'on fait chaque jour dans la vie. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour de la résurrection. Et si tu crois en Jésus de ressuscité, tu verras sa gloire et tu entreras dans le royaume. À ce Jésus, le ressuscité des siècles. Soit l'honneur, l'adoration, l'action de grâce, la reconnaissance et la gloire pour les siècles à venir. Amen. 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 Admettez-nous debout pour proclamer la foi. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Avec un petit grâce à la foi, nous bien dans Jésus qui mourit et qui est bien vivant, en nous présentant par mon Dieu toute intention de Dieu, tout besoin de Dieu. Sans ne pas oublier le monde qui m'a dit prier pour nous, sans ne pas oublier le besoin de nous, en nous la prier.